Alors la journée citoyenne Cointreau fait partie d'un programme mondial du groupe Rémy Cointreau qu'on appelle le Week Air Day, donc qui a lieu pour la deuxième année consécutive dans tous les sites du groupe au niveau mondial. Alors sur Saint-Barthélemy, nous avons la quasi-totalité des salariés du groupe, soit 180 personnes. Aujourd'hui, on se retrouve au complexe donc, de la Cressonnière pour une activité dédiée à la protection des arbres afin de pouvoir mettre des moutons dans les différents enclos situés sur le complexe de la Cressonnière. Concrètement, ce matin, on a donc taillé un peu les différents arbres, coupé les branches situées dans le bas des arbres et apporter des protections dessus afin que les moutons puissent venir ensuite à cet endroit-là et ne risquent pas d'endommager les arbres ou de se blesser contre eux. Alors, la ville de Saint-Barth soutient effectivement cette journée puisqu'il y a différentes activités qui sont menées sur la ville de Saint-Barthélemy, que ce soit effectivement ici pour protéger avec les moutons, mais aussi le nettoyage des rues, il y a des participations au sein de la maison de retraite et différentes activités qui sont menées dans ce sens-là. Nous, chez Cointreau, on considère que la problématique de l'environnement est un sujet d'urgence. Mais surtout, c'est le sujet, c'est l'affaire de tous. Donc notre message, c'est l'environnement, ça commence par l'éducation, dans les familles, dans les écoles, au niveau des municipalités, au niveau des entreprises. Donc nous, on fait notre contribution. Mais on veut vraiment impliquer tout le monde. C'est une somme de petits gestes qui sauveront la planète.